Bon, maintenant, je ne sais pas si c'est le fruit du hasard, mais le peu d'expérience que j'ai fait en électroculture pour l'instant, il y a des résultats, quoi. Il n'y a pas photo. Il y a des résultats. Donc maintenant, donc cette année, tu vois, ici on se trouve dans ma serre froide. Donc cette année, je vais y mettre des tomates, hein, comme quasiment tous les ans. Tu vois, là-bas, j'ai préparé des cônes déjà. Donc c'est des cônes que je vais enterrer, des cônes connectés. Je vais les enterrer. Je vais en mettre un à chaque pied de tomate. Et on verra si on voit une différence ou pas. Après, apparemment, bon, quand on regarde un peu comme ça les informations sur l'électroculture, il s'avère que des fois ça marche pas du tout. Mais on est incapable au jour d'aujourd'hui de dire pourquoi. Donc il y a des endroits, ça va marcher super bien. D'autres, ça va pas marcher du tout alors que tous les paramètres sont en place. Donc on ne sait pas dire pourquoi. Il y a des fois ça fonctionne, il y a des fois ça fonctionne pas. Après, il faut y croire, hein, c'est toujours pareil. Hein. Si tu crois pas, voilà, ça peut pas. Je pense que le fait d'y croire, ça favorise un peu le truc.